Bah oui, c'est la faute à Voltaire. C'est sa faute à lui, non? Je fais erreur? C'est mon erreur. L'erreur à Raphaël. Je l'entends trop souvent, trop. Ah, c'est la tournée à Gérard, ça. Ah, c'est le courrier à Madame Bibouche. C'est les oreilles à Raphaël qui saignent, là. Les gens qui, comme moi, sont un peu trop en colère contre cet usage donnent souvent cet exemple. Est-ce qu'on dit fils de poule ou fils à poule? Ouais, mais on dit bien fils à papa. Oui, mais c'est une expression bien particulière, hein, tout comme la faute à Voltaire. Bon déjà, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux propositions A et 2? A provient du latin ad, qui signifie vers quelque chose, dans une direction, une notion de mouvement. Il y a l'intention de connecter deux éléments, et on s'en sert dans de nombreux cas comme complément de lieu, de temps, de provenance et d'autres, et dans notre sujet actuel comme complément de nom indiquant la possession. 2 provient du latin « de », qui a plutôt un sens d'éloignement ou de séparation, mais quand même avec une connexion entre des éléments. Et on l'utilise pour la provenance, les lieux, le temps, l'association à quelque chose, et bien entendu, la possession. Donc les deux peuvent être utilisés pour la possession. Alors oui, oui, mais je vois quand même une légère différence. Prenons exemple dans le cas d'une utilisation autour d'un lieu avec une femme qui se rend à la plage. Il y a bien cette notion d'aller vers quelque chose. Et même lorsqu'elle s'y trouve, on pourrait dire qu'elle est à la plage puisqu'elle s'en est rapprochée au maximum. Et subitement, elle voit au large le Black Pearl. Et elle panique, parce que ça fait peur. Non. De la plage, elle voit ce navire. Son regard part de la plage vers le navire. Ok, dans le cas d'un lieu, c'est plutôt simple à comprendre puisque les notions impliquées tournent autour d'un point géographique précis. Oui, mais dans le cas de la possession, c'est quoi le rapport? Ah bah c'est exactement le même. Alors la préposition « a », dans un premier temps, on n'utilisait que devant des pronoms pour indiquer la possession, mais la langue évolue, etc. On peut pas lutter contre ça, c'est normal. 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 Mais c'est son regard à elle qui s'est porté sur le Black Pearl. En fait, il faut juste visualiser l'utilisation de ce terme comme si quelqu'un pointait du doigt là où les personnes concernées. Imaginez-vous le doigt accusateur, désignateur, pointeur, tuteur. C'est de vous à quelqu'un que vous êtes en train de parler. L'idée va vers la personne, alors que la préposition « de » sera plus dans le sens d'une information connue, ancrée dans la personne, qui vient à notre rencontre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise avec des noms propres qui sont plus personnels, alors que les pronoms sont impersonnels. Oui, elle a vu le Black Pearl, car le regard de Sophie est perçant. Donc quand vous parlez là, vous dénotez une caractéristique précise de la personne, ou alors un bien ou quelque chose qu'elle possède, dont vous avez clairement connaissance. Alors laissez-moi vous donner un autre exemple. Elle est à qui cette caisse? À toi? Ah non, si c'était une caisse à moi, elle serait pas toute cabossée comme ça. C'est normal les mecs, c'est la caisse de Chuck Norris. C'est comme si de la caisse on recevait l'émanation de la possession de Chuck Norris. Et si on dit la caisse est à Chuck Norris, c'est comme dire la caisse revient à Chuck Norris. Car tout revient à Chuck Norris. L'utilisation de la préposition de est plus solennelle, plus respectueuse. C'est pour les gens mieux éduqués. C'est pour ça aussi qu'on dit gentiment, t'es bien le fils de ton père. Puisque du fils émane une ressemblance avec le père. Et qu'on dit plutôt méchamment, t'es un fils à papa toi. Puisque le fils va toujours vers son papa pour obtenir ses faveurs, il va dans son sens. C'est pas un peu le bordel ton explication là? Tu serais pas juste en train de chercher une explication tirée par les cheveux pour justifier ton énervement face à une erreur dont finalement tout l'univers s'en bat les... Litchi. Je veux dire, qu'on y aille ou que ça en provienne, dans les deux cas, on y parvient. On peut rien faire, c'est ça? Non. C'est trop tard. Oui. La faute à qui? On peut pas lutter contre ça, c'est normal. On peut pas lutter contre ça, c'est normal. On